Gérard, il manque déjà des petits bouts, hein, un pare-brise, un peu de poussière à l'intérieur, deux, trois bonnes petites rayures, même plus que des rayures, c'est bon, des bons cracks. So Robbie, was a flying day till the flip-flap. C'était un jour vraiment rapide jusqu'à l'accident. Actually, I got stuck earlier and it wouldn't start. And then I was trying to make time back up and went over a jump and it kicked sideways and it just started flicking. And car's tough, rolled it back over, took off. We had to change one alternator, cost us a little bit more time, but all in all, the Hummer's a good car. It's a bummer we didn't win the rally this year. We were definitely prepared to win. And Donc ouais, Roby s'est planté dans les dunes, a perdu un tout petit peu de temps. Nowitzki était passé, donc il voulait vraiment catch up, donc rattraper Nowitzki, repasser devant, et c'est là qu'il a pris un kick de l'arrière qui l'a déplacé. Ensuite, ils ont fait le tonneau. Mais il pense que le Hummer, c'est vraiment une bonne voiture qui était prête pour gagner le Dakar. Et que finally, you almost win. I mean, the pace and the rhythm, you have it. Tu as le rythme et vraiment pour gagner. I think we definitely had the pace this year, and we even had the pace there this special. We were gonna win by probably 30 minutes again. We were going very fast. Came over one dune, and we just stuck the nose, and we got stuck for maybe 20 minutes before the rollover, and then the rollover obviously cost us a bunch of time too. Ouais, voilà, donc ils ont vraiment le rythme pour gagner. Je résumerai un peu vite. C'est dommage qu'il se soit planté dans cette dune. C'est un peu ce qui lui a gâché sa course. But moi je vais rajouter une chose rapidement. Thanks for the show. Merci pour le show. Thank you. Like I said, we came here to win. We'll be stronger when we come back next year. Okay. Voilà, on était venu pour gagner et on sera encore plus